Dans la banlieue parisienne, les Suisses infatigables poursuivent au basketball leur entraînement. Le fameux arrière Minelli, blessé au genou, craint de ne pas pouvoir jouer le deuxième match. Pourtant, il s'aligne avec ses camarades. Tandis que les Suisses conservent exactement la même équipe que lors du premier match, les Allemands ont bouleversé la composition de la leur et présentent 6 joueurs nouveaux. Encore une fois, les Allemands dominent leurs adversaires. L'extrême droit allemand centre et Hannemann marque un but pour l'Allemagne. Les Suisses ne réagissent que par de brusques contre-attaques. Ils paraissent désemparés. Mais avec énergie, ils résistent, s'accrochent. Ils luttent avec vigueur. L'Allemagne continue sur sa lancée, les Suisses s'affolent et dans leur précipitation, ils marquent contre leur camp. 2-0, les Allemands triomphent. La malchance s'acharne sur les Suisses. L'ailier gauche Aibi blessé quitte le terrain. Les Suisses ne sont plus que 10. Avec l'aide encore lui, galvanise ses partenaires et mène attaque sur attaque.
La rentrée sur le terrain de A et B est un tel stimulant pour les Suisses que par l'intermédiaire d'Abbé Glenn, ils réussissent à marquer un but avant la mi-temps. Les Suisses sont déchaînés. Abbé Glenn marque le but égalisateur. 2 à 2, les Allemands sont désemparés. Abbé Glenn, toujours lui, marque un troisième but. Les Suisses triomphent. Et marque par Bickel un quatrième but et enlève ce match, l'Allemagne disparaît de la compétition.